10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est parti pour 16 tours. Qui va battre le record de Enzo Briand, qui a été tout à l'heure de 5 minutes 31. C'est parti pour 16 tours. Allez. Allez Thomas, allez, allez, allez Louis, allez. Allez Mathieu, ça croche. Allez Mathieu, ça croche. Allez Thomas, allez Romain, allez Louis. Allez. Perrose, allez. Allez Perrose, allez Romain, allez, allez Lilio. Allez Romain. Allez, allez, ne laisse pas! Allez, allez, allez! Allez! Allez, allez, allez! Allez! 8 tours pour l'arrivée, messieurs. Prochain tour, 3 films sur la ligne. Nouvelle attaque de Simon. Allez! Allez, allez, allez! Alexandre Passe, le double champion du Morbihan hier sur la piste. Voilà donc les concurrents maintenant pour Prime. C'est un joli combat. Ouh là là, les attaques se multiplient maintenant. Avec en tout cas Yvan Chéneau du Trégor. Ouh là là, le maillot jaune surprend également un petit peu plus haut. Allez, avec allez Thomas, allez Romain. Allez, allez, allez Thomas. Trois primes sur la ligne, 4 tours pour l'arrivée, temps du tour 5.32. Incroyable la puissance de Riffler, le coureur Picard. Mais notre breton s'accroche, Yvan Chéneau teste à l'aigrette. Il reste une prime pour vous les gars, tout de suite sur la ligne. Il reste une prime, 27 secondes d'écart. La prime remportée effectivement par l'homme du maillot rouge qui déboîte. Prime remportée. Allez Manu Leroux de Carrère. 4 tours pour arriver. 3 tours. 24 secondes d'avance pour le duo. 3 tours de l'arrivée. Quelle allure, mesdames, messieurs. Un 2e année, solidement installé en tête. 3 tours pour l'arrivée, les gars. 3 tours pour l'arrivée. Avec Morvan, avec Pierre Audrin, avec Alexandre Tropas. Allez Romain, allez suis tour, allez. Il y a 42 secondes. 2 tours pour l'arrivée, 2 tours. En tout cas, Yvan Chéneau qui a beaucoup souffert au début de l'échappée. On aperçoit Xavier. Alexandre Tropas bien placé. Nouvelle attaque sur la ligne. Allez Romain, allez. Allez! Deux tours pour la suite. Écart, 1,35. Sociétaire Guévan Pierru et à ses côtés, Morgane Le Neuf, la féminine. Allez, on offre une nouvelle champion. Un Simon Riffler extraordinaire. Mais Yvan Chéneau mérite une applaudissement. La suite plus loin. Romain Briand, Alexandre Pars, dernier tour. Dernier tour, messieurs. Allez, allez Romain, allez, record du tour du dernier tour, 5 minutes 5 s'il vous plaît, superbe Simon Riffler.
Quelle allure, incroyable. Et on applaudit Yvon Chénoux de Plestin-les-Grèves qui va terminer deuxième. Donc Yvon Chénoux de Plestin-les-Grèves qui termine bon deuxième. Bravo Yvon. Ouais, allez. Superbe sprint en tout cas. 77-85. Romain Provost a confirmé sa forme d'aujourd'hui en attaquant à plusieurs reprises. Et il prend une excellente troisième place sous les couleurs du Granit Rose. Invité au podium, l'excellent Romain Provost. Toutes les épreuves dans les 5 premiers depuis le début de saison ont un problème à bio où il a raté son sprint final. Allez Xavier, c'est parti. Simon Riflet avec Monsieur Guillaumard qui vont remettre maintenant tour à tour trophée et fleurs, les photos ensuite au moment où tout le monde sera complet. C'est la Picardie, on va pouvoir l'applaudir maintenant. Simon Riflet, vainqueur de l'épreuve. Toutes ces épreuves cette année dans les 5 premiers depuis le début du mois de mars, outre son trophée Madiot. Il est deuxième, auteur d'une belle échappée avec Simon Riflet, Yvon Chénoux, Plestin-les-Grèves, Pays du Trégor, deuxième de l'épreuve. Il est troisième, vainqueur du sprint du peloton. On applaudit Romain Provost du team du Granit Rose, qui termine troisième. Un vrai sprint à la Cavendish. Super, Romain, très bien. Meilleure féminine, on applaudit maintenant Marie-Morgane Ledeuf de Plestin-les-Grèves, qui reçoit sa récompense avec une autre Morgane. Alors Simon, une victoire comme celle-là, vous êtes sorti de très de bonheur. À deux, vous avez réussi à maintenir la pression. Comment ça s'est passé, cette échappée? Il y a eu des points faibles, des points forts? Au début, quand on est parti, on ne croyait pas que ça allait au bout parce qu'au début, on restait sur les, à chaque fois sur les 30 secondes. Et à un moment, à deux tours de la fin, on a dit 1:30. Donc après, on y croyait à deux. Après, je lui ai demandé s'il jouait le maillot. Après, il m'a dit non, non, parce que sur la première étape, il était 9e. Donc après, là, j'ai eu quand même la pression parce que je ne savais pas s'il était encore en forme ou pas. Le dernier tour, il y avait les gars, j'ai un peu goûté pour partir tout seul. C'est marrant d'entendre tout ça à la ligne d'arrivée parce que finalement, Yvon, c'est la première échappée. Tu n'as jamais tant souffert sur un vélo, j'en suis sûr. Ah non, là, c'était bien dur quand même. Ça chauffait de partout. Ouais, ça faisait mal. Quel endroit du corps tu avais le plus mal? Sur la ligne d'arrivée et après la relance là-bas. Après la ligne, il t'a allumé plusieurs fois dans le dernier tour? Dans le dernier tour, bah, la relance là-bas, après la ligne, le faux plat là, qui a fait mal. Et après, j'ai jamais réussi à boucher le trou. Là. Mais ta deuxième place, en tout cas, va te permettre de conforter ta position de 9e à la clarté et peut-être te rapprocher dans les 3 premiers ce soir. Oui, bah, j'espère. J'espère. Alors Romain, super ton sprint, tu as battu toutes les stars là. Ouais, c'était un beau sprint. T'es sorti aux 200 mètres ou quoi? Oh, je suis sorti au Dodan en bas. Ça jouait, on a lancé là-bas. Il y avait quoi comme braquet à l'arrivée? Oh, je sais même pas. Non, quand on force maximum, on regarde même pas les braquets. L'important c'est d'aller vite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis parti tout en vol. Je me suis dit, faut pas que je lâche et j'ai continué jusqu'à l'arrivée. Ça va te donner confiance pour les prochains sprints? Bah ouais, pourtant je suis pas tellement un sprinter, mais. Là... Ah si, à partir d'aujourd'hui, tu peux! Ouais, c'est vrai. Allez, on applaudit Romain. Le pays du Granit Rose, c'est lui le team. Bravo, Romain. Bravo. Alors, Morgane, ça a été difficile de suivre les petits champions, là? Ouais, ça fait 2 ans et demi. Là, je suis en coupure. Alors, la coupure, c'était 15 jours et on reprend avec beaucoup de compétition maintenant. Ouais, bah, la semaine prochaine, on part en Normandie. Dans 2 semaines, c'est à côté de Bordeaux. Et 3 semaines, c'est dans le Grenoble. Et on prépare quoi, là, la Coupe de France? Ouais, la Coupe de France et une route de l'Est. Eh bien, il y a du boulot. Oui. Allez, mesdames, messieurs, Marie Morgane, c'est un prénom double. Et on va l'accueillir, on va l'applaudir et lui souhaiter bon vent pour la Coupe de France. Alors, tu seras plus mec le 26-27 mai, alors? Je sais pas. La sélection se fait comment? Au travers des résultats? Oui. Ok, mais on compte sur toi. Thomas Kéraudrin, leader du challenge, l'homme du Granit Rose nous rejoint maintenant sous un tonnerre d'applaudissements. Et Alexandre Ampart, leader des Cadets, podium. Alors, Thomas,
content pour un premier maillot jaune, c'est formidable ça. Et dans ton club en plus. Bah ouais, ouais. Tu l'as vu d'où? Kermaria-Sulard. Combien de kilomètres d'entraînement par semaine? Oh, tu comptes pas? Ouais, non. Non, ça vient comme ça, deux sorties, trois sorties? Ouais, une, deux. Deux sorties, des sorties de 50 bornes? Oh, non, plus 50. Tu considères sprinter, rouleur ou grimpeur? J'en sais rien. Non? Ah, bah, c'est pas de la presse qui va te l'apprendre, hein. C'est toi de sortir, ça, non? Comment? Au sprint, tu es comment? T'es pas nul? Ouais, non, au sprint, j'aime pas trop ça. Le chrono, tout seul, ça peut? Ça va. Ouais, ça va. Grimpeur? Aussi, ouais, ça va. Non, mais si on l'écoute, il est nul partout. Et il est leader du classement général. Vous pouvez l'applaudir, Thomas Kervaudreur, monsieur Guillaume, vous pouvez l'applaudir, car c'est un futur champion, modeste, mais compétent. Bravo Thomas, comme la modestie sert toujours au champion. Bravo. On va accueillir maintenant Alexandre Pars, qui va recevoir son maillot. Il était champion de Bretagne en 2016 chez les Minimes. Il est double champion du Morbihan hier sur le Vélodrome de Pordic. Et hier soir, par l'un de ses voisins, par M. Guillemard, adjoint au sport à Trébordin, le bon maillot rose, leader du classement général de cette épreuve des cadets. Minimes, cadets. D'un maillot à l'autre, tu changes de couleur, mais toujours devant. Ah bah j'avais mal au lancé de la course. J'ai pensé à toi, je te voyais passer à chaque tour. Qui paye la facture des vélodromes d'hier. Ouais, c'était très bien. Tu dormis cette nuit après 3 heures de piste. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Bon, et ce matin, et tantôt, là c'était différent. Ouais. Ton sprint, tu l'as pas retrouvé comme d'habitude. Bah j'avais très mal aux jambes, la bosse ça a roulé vite, donc j'ai essayé de me placer et au dodan, bah j'étais sur la première ligne. Mais ensuite, dès que ça a lancé, j'ai pas pu suivre. Mais tu sais que souffrir comme ça, ça permet d'avoir un petit plus pour le week-end suivant. Ouais. On espère. Et où tu manges? À Corcelles. Ok. Ah, c'est un parcours relativement difficile. Voilà nos 6 champions. Allez, venez mes champions là.